Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin, parce qu'on était là à 6 heures. Alors, ce n'est pas un homme que l'on croise sur les autoroutes. Pour le voir ces 40 dernières années, il aurait fallu partir vers des territoires très improbables de guerre et de souffrance. Des territoires dont nous ne savons pas grand-chose, au fond. Il aurait fallu s'aventurer au Maghreb, au Kurdistan surtout, et en Afghanistan, à Sarajevo et dans le Haut-Karabakh, Kosovo, Somalie, Congo. Il aurait fallu essayer de parler kurde comme lui, ou de maîtriser l'arabe et le berbère. On aurait pu alors peut-être le rencontrer quand il dirigeait la cellule d'urgence du Quai d'Orsay, ou le rejoindre à Erbil, capitale du Kurdistan, au nord de l'Irak, quand il fut nommé consul général de France par Bernard Kouchner. Et si vous aviez eu, comme lui, le goût des autres, la volonté de ne pas accepter l'ignominie et la force d'aller partager le destin des damnés de la terre, il est fort probable que vous ayez pu devenir membre de sa famille. C'est un médecin, un humanitaire et un diplomate, un homme debout, qui a consacré sa vie à tenter de réduire les chaos de l'humanité. Nous accueillons M. Frédéric Tissot. Merci beaucoup. Alors commençons par le début. Je dis toujours ça au début. Les psychiatres le disent aussi. Dans quel vous, Frédéric Tissot, dans quel environnement culturel êtes-vous né? Je crois que votre papa était tisserand. Mon papa était tisserand et ma maman très croyante. Mon papa fabriquait des haïks en Algérie, à Blida. Des haïks, le haïks, c'est le voile des femmes en Algérie. Et ma maman faisait des enfants. Le baby-boom de l'après-guerre. Je suis d'une fratrie de 7. J'hésite parce que, comme ma maman a eu 8 grossesses, elle en rajoute toujours un peu. Elle dit oui, mais j'ai eu 8 grossesses. Bon. Enfin, on ne va pas parler de ça parce que... Vous parlez de votre origine. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui est très important dans votre vie. Donc vous venez de le dire, vous étiez à Blida, à 10 ans, 10 ans et demi, vous partez. Est-ce que le déracinement d'un jeune pied noir a changé un peu ou a fixé votre regard? Et je pense notamment aux réfugiés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis peut-être, en tout cas, de temps en temps posé la question de savoir est-ce que c'est parce que j'étais né en Algérie, comme on disait, rapatrié d'Algérie en 62 à 10 ans et demi. À 10 ans et demi, j'avais fini mon CM2, donc on est grand. Hein, on se souvient tous de notre CM2, même si on n'avait que 10 ans. Et je me suis toujours demandé, écoutez, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Lorsque ma vie, puisque c'est de ça dont on veut parler, enfin, et que j'ai résumé dans un livre qui s'appelle L'homme debout, c'était ça, c'était le hasard de toute façon. Pardon, je vous tourne. Oh François, je vous tourne le dos. Mais oui, mais et en fait, c'était ça, c'était que faire quand vous êtes devant une femme, Peshmerga, combattante kurde, qui vient vous voir dans un petit dispensaire dans le Kurdistan iranien, alors totalement en guerre contre notre ami Khomeini, comme vous dites ici. Et cette femme vient, c'est une commandante des Peshmerga, elle a même déjà été... Elle avait été emprisonnée dans les prisons du Shah et elle a été échangée contre un colonel de l'armée iranienne. Donc échanger
deux prisonniers. D'un côté, il y a une femme et de l'autre côté, un colonel de l'armée iranienne. Vous imaginez le prix de la femme. Et cette femme vient, elle me dit, je ne sais pas, j'ai mal au ventre, blabla. Je suis au fond de ce Kurdistan. Cette femme, bien entendu, est enceinte de 4 mois et elle vient me voir. Elle n'est pas mariée, bien entendu. Je lui pose les 2-3 questions que l'on pose dans ces cas-là. Elle me dit non, pas du tout. C'est certainement... quand j'ai pris ma douche avec les autres Peshmerga, j'ai dû me tromper de culotte et j'ai dû prendre la culotte d'un homme. Et c'est comme ça que je me retrouve dans cet état-là. Et d'après vous, elle est venue là pourquoi ? Est-ce qu'il faut que j'appelle immédiatement le Comité national d'éthique pour savoir ce que je dois faire? Est-ce que l'avortement, ça se fait comme ça? Est-ce que je dois le faire? Quel est le Dieu suprême qui va me demander et me dire ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle vient me demander, cette femme? Donc je vais faire ce que je dois faire et ce que je décide immédiatement de faire, quitte à être tué moi-même le lendemain, parce que, un, ce n'est pas avec mes 2-3 curettes et mon spéculum que je vais réussir à faire un geste très dangereux, surtout à 4 mois. À 4 mois, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais quand vous avez une petite curette comme ça, pardon, mais c'est ça aussi la vie. Et que la tête à 4 mois, elle est comme ça. Et que vous devez, avec votre petite curette, vous l'entendez pour qu'elle puisse passer le col. Voilà. L'autre fois, c'était cette femme qui arrive dans un tombereau de... d'autres personnes comme elle. On a entendu des bruits de guerre, des bombardements. Mais il y a une trentaine de personnes qui arrivent dans un tombereau tiré par un tracteur. On monte avec Michel Bonneau. On monte dans ce tombereau pour regarder ceux qui sont encore vivants. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde, on fait le tri immédiatement. Il faut regarder ceux que l'on peut encore sauver. Je vois une jeune femme devant moi, vivante, très belle, ouverte en deux. Ouverte en deux. Sanguinolente. Et qui vit encore. Et qui souffre encore. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois... Où est ma maman? Où est là encore le Comité national d'éthique? À qui dois-je téléphoner? À personne. Je décide d'une chose. Cette fille qui est là devant moi, c'est ma sœur. Oui, c'est ma sœur. Ça a toujours été comme ça. Et il faut que ça soit comme ça. Ou sinon, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce que je fais? Je lui pousse le produit qu'il faut pour la soulager. Voilà. Je le fais. Et elle meurt devant moi parce que j'ai poussé ce qu'il fallait. C'est ça. C'est ça et c'est ce que Christian essayait d'introduire en me posant des questions sur mes origines. Sauf que c'est ça qui m'a fait. C'est cette vie qui m'a fait et qui a fait comme je suis aujourd'hui. Et qui a fait que j'ai écrit ce livre qui, effectivement, a permis de... Mais dans votre histoire, si on prend le début de votre histoire qui compte,
cette première mission avec l'aide médicale internationale, l'AMI, et Michel Bonneau qui vous envoie au Kurdistan, qu'est-ce qui en vous entre, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une rencontre, vous dites que le Kurdistan, les Peshmerga, c'est votre famille. Qu'est-ce qui entre en relation avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est cette injustice mondiale qui d'ailleurs continue? Mais qu'est-ce qu'il y a pour que soudain le Kurdistan soit votre vie? Parce que je rencontre un homme, des hommes, des femmes qui me semblent être des frères, être mes frères, être... Voilà. Vous aviez déjà rencontré ça au Maroc quand vous montiez un dispensaire? Oui, mais bien sûr. Bon, il se trouve que là, ils sont en 1980, ils sont un peu plus isolés du reste du monde. Il y a la guerre Iran-Irak à ce moment-là. Ils en prennent un peu de tous les côtés. Et le docteur Kassemlou, le secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan iranien, qui fut assassiné un peu plus tard, bien entendu, par nos amis Khomeini, aussi, m'apprend ce que c'est que le Kurdistan. Il m'enseigne, il m'ouvre un livre d'histoire et il m'enseigne ce que c'est. C'est quoi les Kurdes? Aujourd'hui, on connaît un peu. Bon, mais c'est quoi ces gens-là? Pourquoi n'ont-ils pas eu de pays? Ils sont 40 millions, ils n'ont toujours pas de pays. Les Kurdes d'Irak ont essayé... Ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Ont essayé d'avoir leur référendum, j'y étais là il y a quelques jours, et bon, ils ont voté oui, mais les Irakiens les ont envahis, envahi Kirkouk, etc. Bon, ne parlons pas de ça, mais il y a toujours cette espèce, ce que j'ai ressenti, moi, comme une injustice mondiale. Alors après, on a parlé de Sykes-Picot, etc. Ce sont les Français et les Britanniques qui ont dépecé, en tirant des traits sur la carte, l'Empire ottoman en 1920. Bon, ben, c'était à l'époque, c'était le jeu de nos diplomates. Il fallait bien régler les affaires du monde. Et en réglant les affaires du monde, on tirait des traits sur le destin de certains peuples, de nombreux peuples. Il se trouve que je suis tombé par hasard sur les Kurdes et qu'ils m'ont happé. Et je suis resté épris par ce peuple. Et voilà, ça s'est déroulé. J'étais médecin, je les ai soignés. Comme j'ai dit, je suis devenu kurde, kurde. Vous épousez leur cause. J'épouse leur cause. Si, c'est singulier. Oui. Permettez-moi d'insister. Oui, j'épouse leur cause parce que je la trouve... Elle me prend entièrement l'esprit... le cœur, les tripes, et donc je suis avec eux et je resterai jusqu'à aujourd'hui, pas auprès d'eux, mais j'épouse leur cause. J'épouse plus un peuple, d'ailleurs, que les dirigeants, parce que, bon, ceux qui connaissent un peu le Kurdistan, on sait que les Kurdes, entre eux, s'entendent pas bien, ils se bagarrent toujours. Oui, c'est souvent comme ça, dans cette région-là, mais dans toutes les régions du monde. C'est un engagement total. Avec Daniel Mitterrand, vous organisez le refuge en France, le temps de leurs études, de centaines d'orphelins kurdes. Là, vous allez plus loin, quand même. Oui, je vais plus loin. Je... Daniel Mitterrand... En son nom propre, d'ailleurs, mais comme elle a quelque influence sur l'homme qu'elle appelle François, et au départ, je ne sais même pas de qui elle parle. Qui vous téléphone François. En direct, d'ailleurs. Oui. Et elle décide, elle a vu, elle a été, elle aussi, informée du destin du peuple kurde, et il y en a plusieurs milliers qui se sont réfugiés en Turquie, je parle de là de 88, 89, parce qu'ils se sont réfugiés en Turquie, parce qu'ils fuyaient le bombardement chimique de notre ami, comment s'appelait-il déjà? On avait même signé en 76 un traité d'amitié. Avec nos armes. Mais comment s'appelait-il déjà? Saddam Hussein. Voilà, un grand copain de la France. Bon,
On a fait des choses sympathiques, nous aussi. On a vendu plein d'armes, et c'est normal. On a un déficit extérieur à combler. D'ailleurs, on en parle, moi, depuis 1973, depuis Giscard, on parle de ce déficit extérieur. Il faut bien le combler, et donc il faut vendre des armes. Vendons des armes, c'est toujours sympa. Et puis, il y a des médecins français qui soignent ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, une de mes sœurs, qui avait reçu, parce que la fin, l'histoire n'est pas finie, je lui ai rendu service. Dieu, je ne sais plus s'il existe, Dieu seul me jugera. J'ai pris les petits bouts de je ne sais quoi, de fer, de verre, qui étaient dans son corps et qui étaient en train de la brûler. C'est pour ça aussi que je l'ai aidé à passer ce dernier moment de vie. Et je les ai ramenés en France, ces petits bouts, de 3 mois ou 4 mois après, on a reçu le résultat du laboratoire national de la police scientifique. Bombe à phosphore, fabrication française. Et qu'est-ce qu'on fait ? On continue à vivre ? On continue à... Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, médecins, French doctors, qui allons sur les... C'est ça. Et bon, on continue et on se bagarre avec ça. Et un jour, effectivement, plus tard, alors que je parle kurde et j'ai appris, bien entendu, tout à vivre avec ces gens-là. Je n'y passe pas ma vie, pas du tout. Hein. Je vais à plein d'autres endroits, mais ça reste dans ma tête, ça reste ici, ça reste partout. Et un jour, effectivement, on me propose le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, qui était à l'époque Nicolas... Comment s'appelait-il ? Nicolas Sarkozy, non ? Sarkozy, président de la République, me nomme consul général de France au Kurdistan. J'étais encore dans mon lit d'hôpital. Et bon, c'est une nouvelle. Je ne suis qu'un petit médecin pied noir, hein, qui a travaillé dans le Haut Atlas, au Maroc et ailleurs. Et je me retrouve consul général de France. La boucle est bouclée. Alors, il faut dire que vous avez... Il y a quelque chose qui est très important et fondamental pour vous, c'est la fidélité. Et un jour, dans un endroit extrêmement improbable, vous avez fait la connaissance de Bernard Kouchner qui vous a pris pour un peshmerga. Hein, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Oui. Et donc, il a dit, mais c'est quoi ? C'est un médecin français. Ouais. Et là, vous ne l'avez plus jamais quitté. Oh, c'est lui qui m'a plus c'est jamais quitté. C'est lui qui ne vous a pas quitté, oui. Parce que... Vous êtes fidèle. Non, c'est lui qui a été fidèle. Oui. Fidèle en amitié, parce que j'étais dans ce lit. Voilà, il était venu me voir. Daniel Mitterrand aussi était venu me voir. Bon, voilà, on se connaissait. Donc, quand on a un ami qui est hospitalisé, qui s'est cassé en deux, on va juste le voir pour lui dire, alors, ça va. Bon. Et donc, ils sont venus, comme des centaines de personnes sont venues. Et Bernard Kouchner a été fidèle. Il me connaissait, il savait mon passé, il savait mon attachement aux Kurdes, il savait oui, mon attachement et ma capacité à avoir de vrais liens avec, encore aujourd'hui, je connais absolument tous les chefs kurdes, bon, et les plus petits, et les plus grands, et les moyens, et tout ça. Et donc, c'était une vraie fidélité, en tout cas, à ce travail que l'on faisait, qu'on a fait aussi en commun à un moment donné. Alors, il faut dire que, donc, il y a eu cet épisode tragique du 12 juillet 2006. Vous êtes en Haïti et vous marchez sur un fil électrique dénudé qui provoque un arc électrique. Et vous retombez la colonne vertébrale brisée. Et donc, vous dites, vous, au fond, le chemin continue. Vous ne décidez pas d'arrêter parce que vous étiez plutôt baroudeur. Et donc, je connais un certain nombre de gens dans votre univers. Vous étiez baroudeur, vous n'étiez pas dans un bureau. Donc, vous vous retrouvez soudain exposé
à la perspective d'une vie rude, mais en fauteuil roulant, et vous dites je continue. Bien sûr, être en fauteuil roulant, ça n'empêche pas de vivre et de continuer sa vie. En tout cas, moi, ça c'est... J'allais dire, ça ne m'a rien fait. Oui, non, ça n'a pas changé ma vie. Vous appelez ça un accident du travail? Oui, d'ailleurs, c'en est un. Et alors, surtout, c'est quand je suis tombé. Alors, je suis tombé, bon, et puis j'ai eu un... Je saignais de la tête parce que ma tête a aussi buté contre le mur. Et donc, j'étais tout ouvert, je saignais. J'ai dû faire un petit... une petite commotion cérébrale, comme on dit. Et je me suis réveillé. J'avais le visage d'une femme au-dessus de moi qui pleurait, qui me disait « ça va », qui essayait de me réveiller parce que je devais être un peu... Et je mets mes mains sur mes jambes. Et bien sûr, je comprends immédiatement. Et je me dis « mais c'est pas possible, ça ». Toute ma vie, j'aurais pu me prendre des balles de Kalachnikov, sauter ou des roquettes des soviétiques sous lesquelles on était en 80 en Afghanistan, sauter sur des mines antipersonnelles, etc. Ben, pas du tout. Moi, c'était dans un pays en paix, presque, Haïti, un arc électrique, tiouf, qui me lève comme une crêpe, je retombe, la première vertèbre lombaire. Fracture, explosion, comme m'avait dit le chirurgien, totalement... Bon, voilà, et donc j'étais paraplégique. OK. Et comme je le raconte, ou comme... Bon, ça n'a absolument rien changé à ma vie. La seule chose, je me disais, tiens, quel type de boulot je vais faire maintenant ? C'est ça, et c'est ça qui m'embêtait le plus, parce que... Moi, j'avais toujours couru les montagnes, et j'adore les montagnes, et je courais après les gens, surtout dans les montagnes. Ce n'est pas les montagnes pour elles-mêmes, c'est parce que les gens qui habitent dans les montagnes, et surtout les montagnes de ces régions-là, mais même toutes les régions, enfin, ça m'a toujours énormément, énormément plu, et donc je m'y suis attaché. Et quand Bernard Kouchner m'appelle, il me dit « Fred, je le raconte dans le livre, je vais ouvrir une représentation diplomatique à Erbil. Si tu veux, c'est pour toi. » Bon, je ne vais pas dire non quand même. Mais là, vous êtes tout seul. Alors, quand on dit Erbil, on n'a pas d'image, mais vous êtes tout seul dans un endroit extrêmement rude. Oui. Là, il n'y a pas Canal+. Non. Vous n'avez pas la valise diplomatique. Non. Tout est à inventer. Oui. Vous avez une arme, si je peux employer ce terme, c'est que vous parlez kurde. Et que, au fond, les Kurdes vous baisent la main, toujours. Ils ont énormément de respect pour... Oui, mais ils ont énormément de respect pour vous. Voilà. En fait, vous êtes dans une solitude. Oui, mais j'ai deux armes. Je parle kurde et je suis consul général de France... Je vais vous dire, ça donne un sacré... Ça a un sens. Ça a un sens. Hein, je représente la France, et la France est toujours la France. Dès qu'on sort de notre pays, on le sait. On nous le dit et on nous le rappelle. C'est encore aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte quand on reste ici. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est dingue. Notre pays est reconnu comme encore un pays de valeurs. Alors, on dit, oui, c'est quoi les valeurs françaises, hein? Ce sont les vraies valeurs françaises que l'on continue à vivre, à partager. J'ai été un peu étonné, moi, qui me suis occupé aussi de réfugiés que j'ai ramenés en France, donc avec Daniel Mitterrand, et que j'en ai installé là, à Castillon. Castillon, on a en Couseran. En Couseran. Oui, c'est en Ardèche. Là, oui, c'est là, en Ariège. En Ariège, pardon. Oui, oui, là, dans la gendarmerie, j'avais mis quatre familles, et en Auvergne, etc. Bon, ces gens, et qui maintenant ont tous des master 1, master 2, ou des doctorats, qui sont devenus français et qu'on a sauvés. Est-ce qu'il fallait le faire? Alors que les gens, dans minutes, disait qu'on allait encore amener des musulmans et que si et que ça, etc.
Nous, la France, fille aînée de l'Église, c'est ça ? Je me souviens. J'ai quelques lettres. Allions-nous abandonner cette mission ? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais abandonnée. Mais la France non plus, d'ailleurs. Alors, mais j'ai quand même été un peu gêné quand j'ai vu ce qui se passait à Calais, la façon dont, mais bon, on n'est pas, alors qu'on était capable d'aller soigner les gens au bout du monde, hein, de tous les côtés, c'était pas génial ce qu'on avait fait à Calais. Je peux pas critiquer parce que j'y étais pas, j'y suis jamais allé, mais enfin, c'était pas terrible. Résultat, quand même, la préfecture a demandé à Médecins Sans Frontières de construire un camp de réfugiés. Bon, ben pourquoi pas, on avait des gens qui savaient le faire. Autant leur demander. Revenons à l'humanitaire, ce que vous ne faites plus. Hein. Vous êtes un ancien diplomate, mais vous avez œuvré dans l'humanitaire longtemps. Au fond, on a l'impression de connaître cet univers humanitaire. On ne connaît pas du tout, d'abord, parce qu'il y a différences humanitaires. Mais quand vous soulignez que... on aurait très bien pu bombarder seul, là vous parlez de la France... le régime de Bachar el-Assad, là on n'est plus en Irak, et que nous n'avons pas osé y aller tout seul, là vous n'êtes plus du tout dans le champ de l'humanitaire ou dans le champ de la médecine. Là, vous êtes sur le terrain politique. Oui, et alors ? Non mais... Attendez, moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un diplomate, je suis un médecin. Non, mais même si les diplomates ne vous ont pas vu d'un bon œil au fond. Mais non, ils m'aiment beaucoup, parce que j'apporte du renouveau. Oui. Mais non, mais oui, c'est vrai, je suis resté 5 ans et ça s'est très bien passé. Mais quand même, lorsqu'on est en médecin, moi j'ai appris la géopolitique sur le terrain. J'ai appris les rapports de force entre les pays. Je suis tombé en 80. Il y avait quand même la guerre Iran-Irak. Il y avait le coup d'État en septembre 80, le coup d'État turc. Hein, c'était avant, bien avant Erdogan, mais bon, ce coup d'État avait mis en Turquie un régime militaire extrêmement fort, puissant, qui a fait plus tard des milliers de morts chez les Kurdes, d'ailleurs. Hein. Et je me rends compte de tout ça. Mais quand on est médecin, qu'est-ce qu'on veut surtout ? On veut faire en sorte que la paix demeure, enfin, sans être idéaliste, mais de toute façon, je le suis, utopiste même, paraît-il. Mais il faut aussi travailler sur ce champ-là. La paix. La paix. On ne peut pas ne pas travailler sur ce champ-là. Quand je suis devenu, effectivement, je suis petit à petit devenu un géopoliticien. Alors j'aurais pu écrire d'ailleurs un livre de géopolitique parce que j'ai tout appris et ce n'était pas appris dans des livres. J'ai appris les rapports de force qu'il y avait, qui existent dans le monde et dont on fait partie, dont nous faisons partie. Je suis particulièrement tout ce qui est actuellement déclaré par notre nouveau président Emmanuel Macron. Voilà. Et Christian. Mais oui, je suis venu pour ça. Et donc j'ai vu et j'entends les mots qu'il dit quand il parle du Venezuela, quand il a condamné de façon terrible. Le Maduro, le président du Venezuela, comme quoi, et quand il a aussi reçu El-Sisi, le maréchal El-Sisi, les paroles qu'il a dites, il a dit, mais je ne vais pas quand même me permettre, moi, au nom de quoi j'allais me permettre de juger la façon dont ce président gouverne son pays. Il l'avait fait 15 jours avant. Pour Maduro. Bon, mais il faut qu'on réagisse à ça. Enfin, de la façon dont on veut. Bien entendu, chacun sa vue. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses où j'ai vu qu'à un moment donné, pour des raisons qui ne me dépassent pas du tout, puisque je suis citoyen et je vote,
Donc, a priori, je connais toutes ces raisons. Pourquoi notre président accueille de manière absolument sympathique et digne et respectueuse le maréchal. Voilà. Mais bon, et que dans le même temps, il avait dit que Maduro était un dictateur et qu'il avait jugé sa façon de gouverner. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne peut pas, je reviens, on est médecin, mais on participe à un moment donné à la vie de ce monde, parce que chacun de nous, on participe à la vie de ce monde. Et c'est là où, dans ce livre, je raconte, parce que c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'avais fait dans cette vie. J'avais rencontré l'autre. C'est ça que j'avais fait, c'est tout. Et j'avais rencontré l'autre qui fait partie de ces autres, de tous ces autres, qui font encore parfois si peur aux nôtres. Et pourquoi ? Bonsoir, ces autres font-ils si peur aux nôtres ? Ça peut être dramatique. Et ça peut être même totalement irrespectueux. Comment ne pas respecter la dignité de ces personnes qui sont les mêmes que nous ? C'est toujours moi, cette jeune femme que j'ai tuée, en poussant ma seringue, que le docteur Michel connaît aussi par cœur. Bon, c'était une autre, c'était... Oui, Michel, je viens de le rencontrer, on s'était rencontrés en Afghanistan en 1982. Voilà, il apparaît grâce à François, il apparaît dans le lobby, et on s'embrasse, et c'est super, quoi. Comme quoi... Bon, ben, nous, médecins... On est redevenu, je me rappellerai toujours, Ismaël Khan, le patron, le gouverneur de la province d'Herat en Afghanistan, qui a une réputation de tueur absolu. Et d'ailleurs, il en a tué plus d'un. Et quand il me reçoit, j'étais en Afghanistan et j'ai aidé, on m'avait envoyé là-bas, pour aider le gouvernement afghan à remettre en place un système de santé après ces guerres. Et je vois Ismaël Khan et il se met à me raconter, à me dire, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait dans la tête d'un Français comme moi, dans le cœur, de voir ce Ismaël Khan habillé dans sa grande tenue, dans son grand palais, et me raconter les larmes aux yeux, me dire les prénoms de tous les médecins, de toutes les infirmières qui sont venues pendant toute la guerre contre les soviétiques aider ces Afghans à survivre. Quand on y allait là-bas en tant que médecin, qu'est-ce qu'on faisait ? On les aidait, on était auprès d'eux, on était auprès de l'autre. Bon, ben, ok. Lui, il s'en souvenait. Vous ne pouvez pas savoir, c'est pas que je veux parler des French Doctors en disant que c'est super, mais je me suis rendu compte ensuite, dans d'autres fonctions, qu'on avait fait ces Français-là, tous ces Français qui étaient partis, et que l'on critique beaucoup aussi, à juste titre, il faut absolument les critiquer, tous ces humanitaires qui sont dans les grosses voitures, blablabla, maintenant. On a marqué l'histoire de certains pays, plus peut-être que n'importe quel diplomate. Je veux dire, on participe à partir de ce moment-là, de ce rôle de médecin, on ne s'en rend pas compte, mais ça dépasse. Et à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que ça dépassait même mon petit travail de médecin. Vous dites que l'humanitaire... C'est un outil de la diplomatie. Alors, la diplomatie, c'est complexe. Nous, c'est ce que nous sentons, que c'est complexe. Donc, est-ce que pour vous, quand vous faisiez de l'humanitaire, vous étiez, au fond, placé entre les journalistes et les hommes politiques ? Est-ce que c'est la meilleure place pour faire avancer les choses ?
Oui, non, je ne sais pas, parce que pendant longtemps, il y a eu aussi des petites discussions hein, dans le microcosme parisien ou autre, savoir les humanitaires, alors qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur place, ils emmènent avec eux des journalistes, est-ce que les journalistes, c'est vraiment leur place, est-ce que c'est vraiment le boulot des humanitaires dans la main, et en plus, ils sont assez proches des politiques, et les politiques sont très proches des journalistes. On n'en sort plus. On n'en sort plus, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, on est tous proches les uns des autres, parce que... voilà. Et alors, le principal, c'est de que ça soit assez transparent et clair pour tout le monde. Quand vous dirigiez la cellule d'urgence du Quai d'Orsay, vous aviez imaginé cette opération dans les écoles françaises du RIS, voilà, qui était une très belle opération, puisque moi, j'étais en Somalie et j'ai vu à ce moment-là comment ça correspondait à un désastre absolu. Mais en fait, il y a eu à Paris, et pas à Pau, mais il y a eu à Paris des querelles byzantines. On disait que c'était inutile. Et ben, c'est vous qui aviez eu cette idée du RIS. Oui, c'est très bien. Qu'il y ait des querelles. On est toujours en train de se quereller, mais on construit pas mal quand même. Non, mais effectivement, ça, la Somalie aussi. Je fais en sorte d'amener Bernard Kouchner là-bas parce que je sais, par Médecins sans frontières, et je suis directeur de la cellule d'urgence au Quai d'Orsay, je mets en place toute l'aide humanitaire d'État. Hein, après, celle des ONG, donc beaucoup de bagarres avec Ronnie Broman, est-ce que l'État doit faire de l'humanitaire ou pas, etc. etc. Bon, c'était très utile, toutes ces bagarres intellectuelles. N'empêche que je l'emmène en Somalie et on voit là, à Baïdoba, c'est la première fois de ma vie même que je vois ça, on voit des gens. Comment ? Moi aussi, un désastre absolu. Oui, non mais attendez, c'est pas un désastre absolu, ce sont des gens, c'est vous là, madame, qui arrivez vers moi en guenille, debout, complètement... Agarde, je ne sais plus comment on dit. Agarde, et qui tombe. Parce qu'ils ont beaucoup marché. Et vous êtes morte. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup marché. C'est parce qu'ils ont tellement faim qu'ils meurent. Voilà, c'est tout. Ils meurent de famine et ils cherchent à manger. Je vois ça et on voit les gens tomber comme ça, mais c'est affreux. Et on dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je regarde Kouchner et il me regarde. Putain, c'est pas possible. Et tiens, là, les journalistes, je me souviens très bien. C'est la première fois que je voyais les journalistes, je vais les critiquer, de Paris Match et de TF1, derrière leurs grosses lunettes noires. Vous savez ce qu'il y avait ? Plein de larmes. Et là, on ne pouvait plus se cacher pour réagir à ce qu'on voyait, tellement c'était, mais... Et bien entendu, on rentre dans l'avion, j'ai cette idée, on discute, et cette idée du riz, ce qui était une bêtise absolue de ramasser tout ce riz auprès des enfants. Je critique. Parce que moi, j'envoyais un téléx au Vietnam, je disais, au nom de la France, envoyez 80 000 tonnes de riz. Il y a un bateau qui partait, il allait à Mogadiscio, il déversait ça, il donnait tout ça au CICR, Comité international de la Croix-Rouge, qui était déjà installé là-bas, qui mélangeait ça à des haricots rouges, de l'huile, et hop, on donnait ça à toute la population. Mais nous, on pense, et surtout Kouchner, qui est un politique, il dit non, il faut qu'on fasse quelque chose pour... faire cela avec les enfants de France. Comment faire ? Il faut que j'appelle Jacques Lang quand je rentre, etc. Il appelle. On voit qu'il y a une journée de solidarité chaque année. Je ne le savais pas dans les écoles de France. Et donc, il y a cette journée qui va se passer dans pas trop longtemps. Et hop, je suis chargé d'organiser ça. En 2 mois, on organise ça. Combien il faut ? Qu'est-ce qui va... Comment on met le riz dans les sacs ? Quel sac ? Comment on va les fermer ? Comment on les envoie après ? Avec quel bateau on les envoie à Mogadiscio ? Il n'y a même plus de grue pour décharger. Comment on fait tout ça ? Ça a été une formidable opération logistique. Mais en même temps, d'entrain, on a toutes les petites voitures jaunes de la Poste qui, le jour même, à la même heure,
dont toute la France sont allés dans les écoles pour ramasser ces sacs de riz, et les sacs de riz que les maîtresses et les maîtres avaient fermés avec ce bout de ficelle que j'avais fait fabriquer exprès 750 000 sacs, hein, pour que les enfants versent, etc., etc. Donc on a fait cette formidable opération pédagogique aussi, pédagogique, politique, hein, et qui a été fortement critiquée. Parce que les gens de Pau, je ne sais pas si à Pau on fait du blé, et eux, ils avaient des surplus de blé. Alors encore ces politiques, ces abrutis qui envoient du riz alors qu'on ne produit pas du riz sauf un petit peu en Camargue. Il fallait envoyer nos surplus de blé. Oui, mais sauf que comment on fait, mesdames, dans le désert, vous recevez du blé, comment vous le donnez à vos enfants ? Alors, vous voyez, impossible. Bon, le riz, c'était beaucoup plus facile, parce que ça se fait immédiatement, on n'a pas besoin de transformer, etc., etc. Bon, il y a eu plein de critiques, et en plus, ce riz va être pillé par les pilleurs, les chefs de guerre. Mais ce qui est vrai. Mais bien entendu, il y a eu 300 tonnes qui ont été pillées sous nos yeux, parce qu'ils sont venus avec leur mitrailleuse lourde, et c'était le CICR. Nous, on avait donné ça au CICR, parce que c'était eux qui étaient sur place et qui étaient capables de distribuer. Et on a retrouvé des sacs que j'avais fait fabriquer, où il y avait écrit dessus, j'en ai encore un chez moi, « Les enfants de France pour les enfants de Somalie ». On en a retrouvé dans toute l'Afrique. Vous voyez bien que ce riz est parti dans toute l'Afrique, a été déversé, pas du tout. Mais une fois que ces sacs ont été versés, qu'est-ce qu'on a fait de ces sacs ? Ben, ils ont été revendus, ils ont servi à transporter des machins, ils étaient tellement solides, ça je les avais fait solides. Et donc on les a retrouvés, effectivement, donc les journalistes... Parisiens ? Oui, ceux de Pau restaient à Pau. Non mais... franchement, il y a des querelles byzantines parisiennes. Oui, c'est comme ça. Alors, on a bien compris que vous aviez une parole libre. Oui. Vous dites ce que vous avez à dire et ce qui a été vrai dans l'humanitaire et la diplomatie. Vous vous êtes toujours exprimé. Est-ce que, alors, les soignants de l'humanitaire, c'est plutôt très vaste. Est-ce que vous avez le sentiment... Est-ce que vous aviez le sentiment d'en faire vraiment partie ou d'être plutôt un franc-tireur ? Vous décrivez avant tout comme humanitaire, diplomate et anticonformiste. C'est-à-dire, anticonformiste ? Écoutez, c'est l'éditeur qui a trouvé ce titre. C'est l'éditeur. Oui, bah oui, là, il faut... Mais si vous êtes un peu... Effectivement, je dois être, et puis bon, Non, mais je suis devenu fonctionnaire à un moment donné dans ma vie. Personne n'est parfait. Parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Je voulais faire de la santé publique, continuer à faire de la santé, à m'occuper des autres. Et bon, j'ai trouvé cette façon de continuer. Et j'ai toujours été noté, parce qu'on est noté, les fonctionnaires. Alors, les gens devaient me noter, c'était extrêmement difficile. Alors, ils me notaient, excellent professionnel de santé, blablabla, mais devraient mieux respecter la hiérarchie. Mais attendez, ça sert à quoi la hiérarchie ? Vous lui parliez mal. Mais c'est pas du tout, je discutais, nous échangeions. Et j'ai toujours échangé. C'est pas possible. Quelqu'un me dit, il faut faire ça. Votre micro. Je lui dis, il faut que je comprenne d'abord pourquoi on va faire ça. Y compris moi qui m'étais spécialisé et qui ai poussé le ministère de la Santé à l'époque à faire ça dans les plans de lutte contre l'exclusion. Je m'étais spécialisé dans l'accès aux soins des plus démunis, des plus vulnérables. Je sais plus. On mettait en place des passes, des permanences d'accès aux soins de santé dans les hôpitaux. Je me souviens très bien que quand j'étais jeune médecin, aux urgences des hôpitaux, on accueillait les sous-lots, là, les gens qui vivaient dans la rue, justement. Ils s'étaient bagarrés, on leur réparait leur...
on les lavait un peu quand même parce que bon. Et hop, on les laissait repartir, on leur disait allez dehors, et puis ils revenaient quelques jours après. Mais comment ça ? Et on les laissait repartir, on les accueillait pas. Et donc on s'est quand même rendu compte, grâce à la première mission de Médecins du Monde, hein, mission France. En France, oui. En France, oui, parce qu'il fallait aussi s'occuper de ceux qui avaient besoin en France. Hein, de mettre en place ces permanences d'accès aux soins de santé, c'est-à-dire qu'il fallait accueillir dignement ces personnes et nous occuper de leur c'était pas même pas leur demande, mais de leurs besoins. Est-ce qu'ils étaient logés, ces gens-là? Est-ce qu'ils avaient de quoi manger? Est-ce qu'ils avaient 5 centimes pour prendre un bus qui allait à minuit les ramener où? Je ne sais pas. On s'en occupait pas du tout. Et on a travaillé énormément là-dessus. Il a fallu travailler énormément. Je me souviens du directeur de l'hôpital de Montpellier, qui était à l'époque, je dis toujours tout, qui était à l'époque directeur de la Conférence nationale des directeurs d'hôpitaux. Un mec hyper important. Il disait, moi, de mon vivant, je ne mettrai jamais au CHU de Montpellier une passe, une permanence d'accès aux soins de santé. L'aide sociale, c'est pas les hôpitaux qui doivent s'en occuper. Nous, on fait de la médecine. Bon, eh bien, on l'a obligé. J'ai dit à Bernard Kouchner, tiens, il y en a un qui ne veut pas. Hop, il a reçu une lettre du ministre, voilà, qui a été publiée, etc. Tous les directeurs d'hôpitaux doivent mettre en place une passe, en tout cas, doivent accueillir dignement les personnes qui se présentent. Alors, je sais qu'il y a plein de problèmes, les urgences sont pleines parce qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes. Là. Je parle des personnes qui étaient vulnérables, qu'on ne pouvait pas, même le médecin généraliste, de toute façon, ne pouvait pas accueillir, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas du tout de quoi payer. Il n'y avait pas de CMU, il n'y avait pas de choses comme ça. Et de toute façon, il fallait aussi s'occuper, et je m'en occupe encore aujourd'hui, de m'occuper auprès du préfet de région des sans-logis. Vous vous en rendez compte, à Paris ? J'avais qu'à faire en sorte, là, il y a quelques mois, de faire en sorte, je vais dire des énormités, hein, qu'il y en ait 4 ou 5, hein, ces autres-là, que j'appelle autres, qui meurent de froid sur les dalles de Notre-Dame. N'importe quel président de la République sautait. Je veux, oui. Si à Paris, il y a des gens qui meurent de froid la nuit... J'espère bien que notre président va sauter. Ça veut dire qu'on est nul. Et donc, on a toujours eu, bien entendu, les centaines de millions nécessaires de la part de Bercy, qui, avant la fin de l'année, nous donnait à cette administration, au préfet de région, les centaines de millions nécessaires pour héberger tous ces gens. Nous faisons de la politique. Sans arrêt. Et c'est très bien. Et c'est très noble. Alors, le compteur nous accuse, Frédéric, vous avez vu. Nous sommes à zéro. Alors, j'ai deux questions rapides à vous poser. D'abord, sur le terrain qu'a absorbé votre vie, humanitaire et diplomatie. Un humanitaire, je pense que vous êtes d'accord, ce n'est pas un héros. Il ne part pas avec l'idée du sacrifice comme peut partir un soldat. Cela étant, il risque évidemment sa vie. Et ça, vous l'avez vérifié. En l'occurrence, vous avez chèrement payé cet engagement. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Bah, si, j'ai rien payé du tout. J'ai vécu normalement, j'ai eu un accident, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai payé ? Je ne sais pas. Je n'ai rien payé, j'ai fait ce que je devais faire. Un plaisir énorme. Hein. Moi, j'ai toujours fait ce qui me faisait plaisir. J'ai fait ça pour moi, parce qu'il me fallait faire ça. Et... Pour vous accomplir. Mais je ne sais pas, moi, accomplir. Bah oui, c'est votre chemin. Oui, d'accord. Oui, c'est mon chemin. Oui. Ma maman m'aurait dit ça, je ne sais pas. Vous n'êtes pas allé faire carrière dans un bureau.
Mais et c'est noble d'aller faire carrière dans un bureau. Je n'ai pas dit que c'était pas noble, franchement, votre chemin, c'était d'aller dans ces territoires rugueux. Voilà, c'est tout. C'était pas. Oui, c'était mon chemin, c'était mon engagement, c'était ce que j'avais envie de faire. Point. Et je me suis toujours, et ça a toujours été un. C'est vrai, quand j'ai été nommé à des endroits. Quand on me demande de diriger la cellule d'urgence, c'est comme la cellule de crise aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'était son ancêtre, et de mettre en place toute l'aide humanitaire d'État, j'ai oublié de raconter ce que j'avais fait à Moscou lorsque Eltsine est monté sur les chars et qu'il était saoul comme un ah bon comme un, ouais, bon. Et on m'avait envoyé là-bas parce qu'il disait, il demandait de l'aide à l'Union européenne, à l'Europe, parce qu'il y avait la famine en URSS, c'était encore l'URSS. Et moi, on m'a envoyé au niveau de l'Élysée, c'était comment s'appelait-elle d'Areva, le secrétaire général, Lauvergeon, qui me dit demain matin, vous partez à Moscou, vous avez deux colonels de GIGN avec vous, vous partez à Moscou et voilà votre mission. J'ai dit, attendez madame, demain matin c'est Noël, c'est le 25. Et on m'a dit, mais t'es fou non, tu sais qui c'est Anne Lauvergeon, elle te donne l'ordre de partir demain matin à Moscou et toi tu dis, ah non c'est Noël, il faut que j'aille avec mes enfants, tout ça. Ah, ben je veux, et je suis, parce que j'avais quand même loupé beaucoup de Noël, hein. Alors donc là j'avais promis. Donc je suis parti le surlendemain, j'ai découvert, j'ai fait ouvrir à Moscou et à Saint-Pétersbourg, des hangars, des chambres froides, c'est pas des chambres, c'était des kilomètres carrés de chambres froides remplies de carcasses de viande congelée. C'était dingue. Et c'était la mafia, on l'a su après, qui avait totalement piqué tout cela et qui avait organisé la famine. Bon, ben, c'est une mission, ça c'était intéressant, important. Je faisais pas le cake hein, là-bas parce que j'avais plutôt peur. Tout simplement d'en prendre une quoi enfin c'était intéressant quoi c'était alors ma dernière question elle est très personnelle vous avez clairement passé votre vie à aider les autres mais vous Frédéric Tissot qui vous aide à vivre mais les autres on tourne en rond. Mais on tourne en rond, mais je veux, on tourne en rond, oui, alors, c'est bien de tourner en rond. Moi, je le raconte, j'ai toujours adoré la danse. Oui, j'ai alors... toujours tourné, j'étais un formidable danseur de rock. Et votre père, vous voyant danser, il vous a dit non, pourquoi vous dansiez si mal que ça ? Oui, parce que non, quand j'avais 11 ans, je voulais faire de la danse classique, de la danse. Et donc, j'avais été inscrit à 11 ans... c'est dans les environs de Lyon, je m'en souviens. Et un jour, mon père est venu me chercher à la danse. Le soir même, il m'a dit, tu feras plus de danse. Alors j'ai dit, j'ai eu aucune explication. C'est des années après. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte, tous ceux qui, c'était que des homosexuels. Bon, bah oui. Alors effectivement, comme pas tout papa, je sais pas, mais bon, il s'était dit zut. Alors il avait 5 garçons, il avait pas envie d'en avoir un qui a un statut étrange. Voilà, étrange. Enfin, à l'époque, c'était plus qu'étrange, c'était le diable, c'était interdit absolu, quoi. Voilà. Et en tout cas, la danse a été pour moi. Un formidable moteur et je continue à danser encore, même en fauteuil, n'est-ce pas? On arrive à danser en fauteuil. Hein, je veux. Et ça, je veux, c'est mes enfants qui m'ont appris à dire ça. Monsieur Frédéric Tissot, nous vous remercions.